Attendez, je m'arrange un peu, ok? Voilà. Ça va? Ok. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Je l'espère aussi pour vous. J'espère que vous allez bien. Et voilà, chez nous, Dieu nous garde. Il n'y a rien à se plaindre. Nous allons très bien par la grâce de Dieu. Ça fait longtemps. Et voilà, vous m'avez tellement manqué. Je ne peux pas vous expliquer, mon Dieu. Faire des vidéos sur YouTube, vous partager des vidéos motivation, ménage, cuisine et tout. Ça m'avait tellement manqué. Et voilà, je suis là. La raison pour laquelle je ne vous ai pas partagé des vidéos, je vais vous dire très bientôt. Laissez-moi d'abord me présenter pour les nouveaux et les nouvelles. Bonjour les nouveaux, bonjour les nouvelles. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Myriam. Je suis une jeune maman de 10 enfants. Et voilà, ma première fille a 5 ans. Elle aura bientôt 6 ans au mois de janvier. Et la deuxième, elle a 3 ans. Voilà, elle a encore, elle a 3 ans, voilà. Mais c'est encore loin pour ses 4 ans, mais elle a 3 ans présentement. J'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus et sentez-vous à l'aise sur la chaîne YouTube. Ici, sur ma chaîne, je partage la motivation ménage, la décoration et la cuisine. La vie des mamans, bien sûr. Et voilà, sentez-vous à l'aise. Si vous avez une question, n'hésitez pas à la poser. Et voilà, je suis là à vous lire et à vous répondre. Voilà. Pour mes anciens abonnés, je tenais sincèrement à vous dire merci. Merci d'être là. Bien que ça fait longtemps que je n'ai pas filmé. Ça fait, je crois, moi, 3 ou 4 mois que je ne vous ai pas partagé des vidéos. Mais vous êtes toujours là à me soutenir et ça me touche énormément. Merci. Il y a quelques mois, je crois moi, il y a un mois, j'ai croisé l'une d'entre vous. Elle était tellement gentille, mon Dieu. Elle est venue me dire, ah, je te connais. Je me suis dit, ah, vous me connaissez d'où? Et non, je t'ai vu sur YouTube et tout, tu es Miranda et tout. Je me suis dit, oh, mon Dieu. Elle était très gentille. Et si tu regardes la vidéo, je t'ai salué un petit coucou. Dis-tu aux personnes, bonjour à toi. J'espère que tu vas bien avec ta famille et tout. Et merci encore d'être aussi gentil avec moi. Et voilà. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas partagé des vidéos. La raison pour laquelle je n'ai pas partagé des vidéos, la caméra qui m'aide à filmer m'a lâché. Voilà. Ça ne filme plus, ça s'est abîmé. Et voilà pourquoi ma caméra est panne. Voilà pourquoi je n'ai pas aussi posté il y a vraiment il y a longtemps, 3 ou 4 mois que je ne vous ai pas partagé des vidéos, puisque ma caméra est panne. Le temps que je trouve quelqu'un pour arranger ça ou bien que je paye carrément une autre caméra, voilà pourquoi je suis aussi silencieuse et je ne partage pas des vidéos. Mais je tenais quand même à vous faire signe que je suis là, je vais bien. Je vois vos messages, vos commentaires et voilà. Et merci d'être toujours là. Merci de me soutenir, bien que je n'ai pas filmé il y a longtemps. Mais vous êtes toujours là. Vous êtes toujours là. Vous me laissez des commentaires. Il y a même ceux qui viennent m'écrire en privé. Pourquoi tu ne postes pas? Pourquoi tu ne publies plus? Ce n'est pas pour rien que je suis calme. La caméra m'a lâché. Pourquoi? Je ne sais pas. Voilà pourquoi je n'ai pas posté aussi. Pendant tous ces temps ici, mais je vais très bien. Et voilà, avant ça, j'aimerais vous souhaiter un joyeux Noël. Un joyeux Noël. Voilà, Merry Christmas, everyone. Et voilà, bientôt c'est la Noël. Ça va bientôt commencer dans, je dirais moi, dans 3 semaines. Les gens ont déjà commencé à décorer bien depuis longtemps. Depuis longtemps. Moi, je suis toujours en retard chaque jour, mais je ne suis pas aussi en retard comme telle. La fois passée, j'étais vraiment en retard, mais cette fois-ci, je ferai l'effort de vous poster une vidéo un peu à temps. Voilà. Bien que je n'aurai pas la caméra, peut-être je vais décorer après avoir décoré et je vais vous faire juste une vidéo pour vous montrer ce que j'aurai fait et tout après ça. Mais on verra bien. Si la caméra accepte de filmer avant de décorer, on va les faire ensemble. Si ça n'accepte pas, donc
je n'aurai pas d'autre choix que de vous faire une vidéo après avoir décoré. Voilà ce que je vais faire. Mais avant ça, j'ai une vidéo que je vais vous partager, pardon. J'ai une vidéo que je vais vous partager. J'avais juste changé un peu mes choses de décoration par-ci, par-là, remplacé un peu puisque je me suis déjà fatiguée de ce que j'avais avant. Les rideaux, comme vous pouvez les voir, ça restait le même. Je n'ai pas changé de rideaux. J'aimerais bien changer, mais voilà, on verra bien peut-être l'année prochaine. Voilà. Mais je vous ferai une vidéo peut-être. J'ai déjà fait une vidéo après avoir redécoré avec les mêmes choses que j'ai dans la maison. Je vous ai pris une vidéo pour vous montrer ce que j'ai fait. Et ça, je vais vous la poster, je crois moi, aujourd'hui, les soirs. Comme cette vidéo, je la poste le matin. Et je crois les soirs vers 16h, 17h, je vais vous poster une autre vidéo pour vous montrer comment j'ai fait, montrer ce que j'ai fait et tout. Voilà quoi. Le 1er décembre, je vais vous partager la décoration de Noël. Je vais vous montrer ce que je vais décorer avec, bien sûr. Cette fois-ci, je reste dans les blancs, les dorés et les silver. Voilà. Je n'aurai pas les verts, peut-être un peu des verts, mais je ne sais pas si j'aurai les verts dans la décoration de Noël ou pas. Voilà. Je voulais aller avec un peu côté chic, les côtés là, luxe et tout. Rappelez-vous, tout ce qui brille n'est pas de l'or, c'est juste des dorés. J'aime bien et tout. Voilà pourquoi j'aimerais bien que mon sapin soit un peu beaucoup de blanc, beaucoup de doré. Voilà. Mais de toutes les façons, vous allez voir ce que je vais faire cette fois-ci. Ça ne sera rien de grave aussi. Bon, ça sera tout simple, mais ça sera beau, je vous rassure. Et voilà, je pense que la vidéo de la Noël, je vais la poster le 2 décembre, voilà. Le 2 décembre, je ne sais pas à quelle heure, vers 15h, 16h. Voilà, c'est là que je vais la poster. Qu'est-ce qu'il y a de plus? Je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Et voilà, on se retrouve très bientôt. J'ai une vidéo à vous partager dans cette vidéo. J'ai une vidéo à vous partager. Juste une petite vidéo. Je prends moins de 5 ou 7 minutes. Ça ne traîne pas. Voilà, des breakfasts que j'avais fait il y a 2 jours ou 3 jours. Voilà, je vais vous partager ça. Et les soirs, je crois moi aujourd'hui, je vais vous partager des vidéos. Et les premiers, je vais partager une autre vidéo. Et les deux, je vais vous partager une autre vidéo. Et peut-être les trois, ou après juste 2 jours, je vous partage aussi une autre vidéo. Voilà. Et je vous dis à très bientôt. Bye, que le Seigneur vous bénisse richement. Voilà, on se retrouve pour la vidéo des petits déjeuners. Voilà, je vous montre ce que j'ai utilisé. Ça, j'ai payé chez Costco, mais vous pouvez trouver ça chez Walmart ou partout ailleurs. Et les bacon, je pense que vous les connaissez, vous pouvez trouver ça partout ailleurs dans les supermarchés. Voilà, on les vend presque partout. Voilà, je vais les mettre dans les air fryer pour quelques minutes. Il est temps pour moi de faire des galettes. Voilà, pour faire les waffles, moi j'utilise la farine des pancakes, mais avec ça, vous pouvez l'utiliser aussi pour faire les galettes et tout, voilà, les gaufres. Et voilà, moi j'utilise ça. J'ai juste besoin d'eau. Si vous ne connaissez pas, on les vend chez Walmart ou encore chez Costco. Mais moi je les paye chez Costco parce que chez Costco c'est moins cher. J'ai juste mélangé avec un peu d'eau. C'est déjà donc tu mets juste de l'eau et puis tu mixes, c'est prêt. Voilà, je les mixe bien et après ça, je vais faire comme les waffles et autres. Et voilà.
Voilà, je vais ajouter avec les œufs. J'ai juste mis un peu de sel, les ciblettes. En tout cas, moi j'aime bien mettre les ciblettes ou l'oignon. Voilà ce que j'ai utilisé pour les sandwichs et autres. Mais vous pouvez utiliser bien les saucissons. Voilà, moi je n'avais pas ça, c'était déjà terminé. J'en avais marre quand je regardais, la date était expirée. Voilà pourquoi je n'ai pas utilisé ça. J'ai préféré utiliser ce que j'avais. Voilà, j'ai ajouté aussi la tomate et voilà. Vous pouvez les faire sans tomate, sans oignon. Moi, j'aime bien quand je les fais avec l'oignon et tout. Et voilà. Voilà, ma vidéo touche à sa fin. J'espère bien qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de partager, de liker, de commenter. Et voilà. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une autre nouvelle vidéo. Que le Seigneur vous bénisse et merci d'avoir regardé. Bye, à la prochaine.